Bonjour Jérôme. Bonjour Hamid. Voilà, ravi de vous retrouver en ce début d'année. Mes Moi meilleurs aussi. à vous et évidemment aussi aux clients de la Banque de Groof Petercam qui nous regardent en ce moment pour cette session consacrée à l'économie et à la bourse. Alors justement, on va parler de tout ça. Alors, en faisant peut-être le bilan de 2020, alors c'est vrai qu'on a peut-être plus envie de reparler de cette année éprouvante, mais quels sont les chiffres ou les grands événements que nos spectateurs doivent garder à l'esprit par rapport à 2020? Bonne année, Hamid, bonne année à vous tous. Espérons qu'on puisse avoir une année 2021 qui soit sous le signe de la reprise. À mon avis, cinq choses peuvent être mentionnées par rapport au choc économique et boursier qu'on a connu suite à la crise sanitaire de l'année dernière. Cinq éléments dont on peut se souvenir, peut-être à la lumière d'une étude qu'on a publiée récemment sur l'impact sur la Belgique, sur laquelle on a des chiffres très précis. Baisse du produit intérieur brut au premier trimestre de 15% quand même. Baisse du chiffre d'affaires des entreprises à novembre qui s'établissait encore à 17%. Plan de soutien, mais donc augmentation de la dette liée à ces plans de soutien avec une dette qui pourrait s'établir à 115% du produit intérieur brut pour l'instant. Et puis un choc de confiance. Et qui dit choc de confiance veut dire augmentation d'épargne. Les ménages épargnent lorsqu'ils n'ont pas confiance. Ils ont peur pour l'avenir, oui. Ils ont peur de l'avenir et l'épargne a doublé. Elle s'établit maintenant à 25% du revenu disponible en termes bruts. Oui, c'est historique. C'est historique. Et enfin, je pense une dernière chose à mentionner, c'est que la crise sanitaire a été un accélérateur de tendance. Et en termes boursiers, on l'a vu, on en a beaucoup parlé, Hamid, vous et moi, Avec le numérique. avec le numérique et ces fameuses FAQ qui ont doublé l'année dernière, il y a vraiment une dichotomie entre la croissance économique et puis la performance boursière, qui est quand même une tendance qu'on avait déjà vue s'opérer avant, mais qui s'est accélérée avec la crise sanitaire. Alors Jérôme, ça c'est pour 2020, une année qu'on veut tous oublier, non seulement sur le plan sanitaire, mais même sur le plan économique. Qu'en est-il 2021? J'imagine que les deux facteurs qui vont jouer un rôle prépondérant, c'est la confiance et la vitesse de la campagne de vaccination. Oui, vous avez raison de mentionner ces deux éléments qui doivent s'opérer de pair. La bonne nouvelle, c'est que si on arrive à restaurer la confiance, on peut très vite oublier cette crise. C'était un choc exogène, donc très différent d'un choc type crise financière auquel on avait été habitué dans les derniers chocs financiers qu'on a connus. Un choc exogène, et donc on peut théoriquement très vite rattraper la croissance, ce qu'on a perdu. Mais évidemment, pour rattraper, il faut que la confiance s'instaure à nouveau. Pas facile, il y a encore énormément d'incertitudes liées à la campagne de vaccination et puis aussi une incertitude liée à ce virus lui-même. Comment va-t-il muter et est-il vraiment maîtrisable? Parce qu'il n'y aura pas de retour de la confiance sans maîtrise du virus. Avec quand même un risque à long terme, c'est une cicatrice durable qui pourrait s'installer sur les économies si on n'arrive pas à rattraper suffisamment rapidement ce qu'on a perdu. Mais on peut résumer en disant que plus on tarde à vacciner, plus le coût humain et le coût économique sera grand, j'imagine. Alors, plus on tarde à maîtriser le virus, je le mentionnerai comme Oui. ça, plus le coût économique et humain sera fort. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Alors, on est en début d'année, Jérôme, donc c'est l'époque où on établit des scénarios donc pour le futur. J'imagine que vous en avez l'un ou l'autre dans votre besace par rapport aux perspectives économiques 2021. Voilà, on peut peut-être commencer par. On a plusieurs scénarios, mais on peut peut-être commencer par le plus pessimiste d'entre lui. Le scénario pessimiste, c'est qu'on n'arrive pas à maîtriser le virus rapidement, et que donc la croissance économique cette année est de nouveau décevante. On aura une croissance très certainement par rapport à 2020, mais dans un scénario pessimiste qu'on établit, elle n'est que de 0,6%, avec un rattrapage seulement en 2022. Et ça, c'est un scénario où en fait on immunise la population à la fin de cette année ou même au tournant de 2022, et on ne récupère ce qu'on a perdu en termes de produit intérieur brut que fin 2022. Et une cicatrice qui s'installera à l'économie, c'est-à-dire en fait le PIB qu'on aura perdu de façon durable à échelle 2025 sera de 4%, soit à peu près 20 milliards d'euros. La dette publique dans ce scénario pessimiste s'établira à 125%, ça sera son pic, et en 2030, c'est-à-dire dans longtemps, on sera toujours 10% au-dessus de la situation pré-crise sanitaire, donc c'est-à-dire 110%. Ça, c'est pour le scénario pessimiste. Alors, essayons de prendre des lunettes roses, si je puis dire, avec le scénario optimiste cette fois-ci, Jérôme.
Le scénario optimiste, c'est qu'on arrive à immuniser la population pendant cet été. Le rattrapage économique en 2021 est fort, une croissance de 5,5%. Toujours une belle croissance en 2022, 4,5%. On récupère ce qu'on a perdu dans le courant 2021, autour de la fin de l'année 21. La dette publique atteint un pic à 120%, pas 125% par rapport au scénario pessimiste, et on arrive à échéance 2030 à avoir une dette publique autour de une fois le PIB. Et puis, cette cicatrice économique dont je parlais n'est que de 6 milliards d'euros. Ça, c'est le scénario optimiste. Alors Jérôme, il nous reste 30 secondes rapidement. Comment est-ce que vous traduisez tout ça au niveau macroéconomique sur le plan de la politique d'investissement? J'ai parlé tout à l'heure d'un accélérateur de tendance. La grande tendance qu'on opère ces dernières années, c'est la numérisation. Cette numérisation a eu tendance à faire ou à créer une dichotomie entre l'économie réelle et l'économie liée à la numérisation. Si on arrive à opérer ce scénario optimiste et à opérer ce rattrapage économique, eh bien, comme on l'a dit déjà souvent, ce seront les valeurs liées à l'économie réelle qui auront une plus belle performance boursière que les valeurs liées au numérique. Parfait, merci Jérôme, clair comme d'habitude. Merci Hamid.